Répète là. Attends, mais ça coupe. Le problème, c'est que je veux pas glisser parce que. Est-ce que je l'ai eu en glissant là? Ah oui, je l'ai eu. Bah non, bah si, alors faut que je fasse comme ça. Je vais pas m'énerver. Putain, tu as vu! Oh la bite! La bite! Alors ça c'est très mauvais. Kazakus. Allez, je colle Kazakus. Si c'est Kazakus, je joue prêtre. Kazakus doré. C'est la merde que j'ai déjà eu deux fois. C'est-à-dire que sur Gadget Zan, j'ai droppé 5 légendaires et j'ai eu 3 fois Sergent Sally de merde. En effet. Ah, allez, on change. Spider Baby. Heureux. Ah merde, elle pète constamment. J'arrive pas à sortir de la pièce. C'est bon. Ah c'est quoi, prenez une. C'est la fourche, c'est-à-dire là où la rivière se sépare en deux. À droite de la ligne 13, c'est Fort Boyard. C'est-à-dire c'est le fort sur l'eau avec le point d'interrogation. C'est là où il y a le vieux monsieur qui nous pose une énigme. Et si on arrive à trouver son nom ou pas, eh bien on obtient une clé. À droite de ça, c'est Yves Duteil latéral. C'est un petit pont de bois qu'on voit de côté, en 2D. À droite, c'est un parterre avec moult fleurs. Il y a plein de fleurs pour Atto. Allez, le rebond. Et le but! Oh putain, Potal! Oh, je suis deck! C'était beau ça! Merci beaucoup, petit parpin. Petit parpin, Ricain. Oh, le sac à merde! Qu'est-ce que je branle? Oh putain. Allez, c'est chez nous. Oh, ils ont niqué mon poteau. Oh, ils ont niqué mon poteau. Ma vie, c'est de la merde. Mais que t'aurais pas mis aussi, Fona, putain, par pitié! Non! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mon fond vert s'en casse la gueule! Ah, putain, merde, faut clipper! Ah, celui-là, faut le clipper, les gars! Quel enfer! C'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous sur le texte. Il y aura des éléments qui vont nous être utiles. Chapitre 7. La lente migration. Putain, le chapitre 6, il a duré 8 ans. Je viens de casser un mug. Incroyable des bruits. On va se mettre déjà une petite réverb des ambiances quand même. Oh, j'ai trouvé un glitch! Je fais rien, je marche et je le tape! Oh, je tape auto! Et ça passe à travers les défenses! En fait, j'étais en train de faire le crystal dash et au moment où je me suis. Non! J'ai entendu quelqu'un! Leave me alone! Leave me! I don't kill you. You don't kill me. I don't kill you. I promise you. You look at me. Look at me. Look at no! me. No. I don't kill you. No. I don't kill you. Look I at don't my. I don't kill you. No. Hey, I stop. I don't kill you, man. Ah, c'est un français. Suce. You want my AK? Please, sucez mon sbille. Please, sucez mon sbille. Hop.
Police vert. Moi aussi. Aïe aïe aïe, je me fais tirer dessus, Jackie. Oh putain, j'arrive pour t'aider. Oh putain. Non, arrive pour t'aider. Et là, je mute évidemment parce que là, faut pas déconner. Pff. On a évidemment joué la technique du collabo. Ah, oh putain, on a eu chaud en tout cas. On a vraiment failli pas s'en sortir. Évidemment, dans la military, c'est le problème. C'est le problème de ce jeune homme qui avait l'air au demeurant fort sympathique. C'est que dans la military, il n'y a pas de solidarité qui soit. Ah, attendez, alors là, il faut qu'on voit ça. C'est extraordinaire. Attends. Non, faut que j'aille là. Vas-y. On va y arriver. Ah merde, attends, je fais le caméraman. Regardez ça, son cul, c'est Sonic. C'est extraordinaire. John Travolta avec Zari, en reste quoi? Et on peut le gagner 1000 balles sur le stream de Benzaï. Voix de... Le jeu il tourne bien là. Petit contrôle à le sup. Ah ouais, XSplit prend bien 60% de processeur. Mais pourquoi? Pourquoi? Et je peux pas changer. Ah bah là je peux rien faire. Incroyable. À 100, Zerator débarque chez toi pour te pépon la tub. Kappa. Putain mais à quel moment? À quel moment on en arrive là? Est-ce que c'est dès la naissance? Est-ce que c'est dès 6 mois, bercé trop près du mur? Est-ce qu'on urine sur l'enfant vers ses 3-4 ans? Est-ce que c'est au collège, une victimisation? À quel moment? Quel accident de vie fait qu'on en arrive à taper de la merde pareille sur un chat sur internet? J'aimerais qu'on m'indique. Alors, incroyable. Attendez, moi bon, je sais pas. Bonne. Il m'a achevé. Pardon. T'as du miel? Ouais, t'en veux? Ah ouais! Direct dans la bouche comme ça! Oh putain! Direct dans la bouche! On va voir, hein! Ah là, je réceptionne plus rien! Vas-y, succule! Bonheur! Je fus si ému, c'était incroyable du cul. Devenu ado, je savais le dos. À présent, je suis grand. Incroyable. Mass beat, mons boob, speed, boob, speed, 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 ça skip, bali, bili, 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 voilà, c'est le Amstramgram Scatman John. Il a dit je baise ma mère. Ça va être un peu ce genre d'ambiance, mais Je cherchais mon jus. Allez, on rentre 50% de femmes et la technique de vie. Là, c'est le moment, attendez, c'est le moment évidemment où l'influenceur doit devenir insupportable.
Là, je dois faire mon caprice de star, frapper très fort sur mon bureau et montrer que j'en ai gros. Essayer de créer un micro-drama. Attendez, qu'est-ce que j'ai à balancer qui n'est pas trop dangereux? Cette bouteille. J'ai balancé cette bouteille sur l'outil. Ça va être un début de Rix. Putain, c'est pas possible! 50% de drop! C'est comme ça qu'on est reçu! Génial! Voilà! Et les enfants alors? Comment sont les enfants? 50% de drop de frame! Insupportable! Techniciens, où sont les techniciens? Et voilà, Evelyn qui me regarde. En haut, salut. Ah, salut, salut, Tim. J'ai un petit problème avec mon PC. On arrive, hein. Incroyable. Ah. La cigarette. Ce n'est que la première cigarette qui est agréable. Toutes les cigarettes d'après. Toutes les cigarettes d'après ne servent à rien. Nous nous sommes délestés de notre argent. Nous nous sommes délestés de la cigarette. Mais il y a une chose qu'on n'abandonnera jamais. C'est l'amour. Et moi, vous savez de quoi j'ai envie? Moi, je veux faire l'amour. Moi, je veux faire l'amour. Et je vais le faire. 200 000 balles. J'arrête la clope. J'arrête la clope. Ouais. Chose qu'on n'abandonnera jamais, c'est l'amour. Et moi, vous savez de quoi j'ai envie? Moi, je veux faire l'amour. Moi, je veux faire l'amour. Et je vais le faire. 200 000 balles. J'arrête la clope. J'arrête la clope. Ouais. Bravo. Et vaisseau au service de votre cause. Amélioration phéromone mantis. Quoi? Attendez, est-ce que ça se cumule? Non, ok. Donc on la revend. Oh putain. Excuse-nous, maman. Extraordinaire qui va révolutionner le monde du gaming. Sur Hearthstone. Par contre, je peux pas en parler immédiatement. À partir du 20 février, à partir du 20 février, je peux vous en parler. Mais ça va être monstrueux. Je vais m'entourer de 4-5 personnes, mais je ne peux pas les nommer. À l'anglaise, Academy. Talent Web Academy Web Edia Group. Putain, ça va chier, je vais les enculer. Y'a Ubrings. Ah, ils discutent là. Oh, on se fait plaisir. On se fait plaisir, hein, Barbuman. Qu'est-ce que c'est que cette liqueur? Ok, deux secondes. On va retourner chez Mister Gagels. Il boit du jus de pomme, hein. Il boit de l'eau de Cologne. Ah, c'est les Allemands, ils boivent de l'eau de Cologne. C'est bon, hein, c'est une autre culture. Et là, ça commence à se voir. Ah, je suis dans la merde. Je me suis foutu dans la merde. Je tiens à m'excuser auprès de la MV Productions. Zetlana me rejoint dans ses condoléances. Des condoléances de taille, mais nécessaires. Ah oui, bah ça sublime. Franchement, je dis. Mais tu vas la chier, ta chiasse! Faire la voix des ninjas. Faut que j'affronte Feman invincible. Ou bien. Vraiment? C'est Apex Legends en fait, c'est ça? Yes. How's it going? What a ramdam, like the French like to say. All right, we are finally back at the Blackjack PUBG Mobile Tournament. Thank you, I've been offered a plug pour le cul, like the French like to say. Merci, au revoir. Je suis pas sur le... Mais pourquoi ça a changé? J'ai rien fait. Bon, visiblement, ça se passe mal. Du côté de chez Monsieur Karaté, quelques problèmes techniques, mais pas de soucis, je suis sûr qu'il sera prêt dans... Elle est au bout. Canou!
Thank you. Ah là là, multiple orgasme. L'officiel. Vous aimez les boutons? Vous aimez pouvoir ajuster la sensibilité de vos sticks? Vous aimez être un gamer? Vous aimez les jeux de voiture? Vous aimez une gâchette qui a du répondant et qui accroche? Vous aimez les gâchettes derrière? Vous l'aimez par devant, par derrière? Vous aimez tirer vite? Oui, vous aimez la gomme qui accroche au poignet? Vous aimez pouvoir customiser comme un gros Jackie votre manette? Mettre de l'autofire? Vous voulez profiler votre manette pour des jeux différents? C'est possible avec la nouvelle manette. Elle est évidemment connectable en Bluetooth. C'est parti! On peut même l'ouvrir avec des lasers et des effets hallucinants. On peut la charger avec un dock. Et elle tient jusqu'à 40 heures de gameplay hardcore, de gamer. Plus de 30 façons de jouer, comme un gamer. C'est la nouvelle manette de gamer. Je vais faire 3 arènes, ça peut aller très loin. Oliège va tout gagner. Oui, non, mais normalement... Enfin, je veux dire, si... Si on n'est pas dernier... C'est déjà une honte pour eux, si vous voulez. Genre, si moi, j'ai plus de 5 victoires de moyenne sur mes 3 arènes, je considère que je peux déjà signer un contrat chez Solari ou Lunari et leur demander gentiment de s'en aller. De toute façon, voilà, la Solari, on aime beaucoup Solari et Hearthstone, mais c'est vrai qu'il y a moins de subs qu'au lancement. Donc moi, ça me... Voilà, on leur dit, on les remercie, et moi, voilà, je deviens Solari, j'absorbe Solari HS. Optimisation du fragment. Tadadin. Et Marcus de Boulet. Marcus. La dernière fois, j'ai rien vu. Parce que moi, j'entends rien. Alors, voilà, j'ai terrible. J'imagine que Marcus, il est déjà parti et tout. Voilà, il n'y a pas que ça à foutre. Merci Marcus qui nous a hausse. Il y a 4 minutes avec 130 viewers. Merci beaucoup. Et Geekzone59 aussi, à 9 minutes. Merci pour les hosts. Des bisous, Marcus. Merci Azeleus pour les 3 siècles. Terrible. Les petits amis. Énorme. Ah oui, attendez. Donc on devait optimiser le fragment. Eh oui, Marcus, le premier let's player. Hein. On est tous des wannabes. Hein. Papa, il joue à Mario. Il y a des gens qui le regardent. Ils lui donnent de l'argent pour jouer à Mario. Tu te rends compte? Quand tu joueras à Mario, moi, je te donnerai pas d'argent. Hein. Tu mangeras ta purée? Oui. Bah oui! Tu mangeras ta purée avant de jouer à Mario? Doudou? Comment ça, doudou? Putain, moi. Alors attendez. C'est parti. Ne t'inquiète pas, il y a maman évidemment. Mais non! Oh. Mais non! Il y a Malgania. Ah, mais Malga, je le connais. Non, mais HOTS. Hein, mais quelle idée. Malgania, très sympathique au demeurant. Mais Heroes of the Storm, c'est presque un suicide professionnel. Excuse-nous, Malga, si tu nous écoutes. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils vont te voir, les gens. Non. C'est un micro. Et papa, il joue à Mario. Papa. Mais papa, il joue à Mario. Non, n'appuie pas sur la manette. Tu n'as même pas 2 ans. Non, n'appuie pas sur le clavier. Non. Ne lance pas les sites pour adultes. Arrête. Arrête. Ah non. Ah non. Ah non. On va voir maman. On va voir maman. Ils sont partis. Ils sont partis. Et bisous. Au revoir. Au revoir. N'importe quoi. Incroyable. Ah oui, alors il va falloir que je me réhabitue à gueuler. Ah, vous avez les 2 micros là, vous avez un ASMR, non? Un petit ASMR. Oh. Ah oui, avec la profondeur. Ah, c'est horrible sur les côtés. Bon, alors attends, si vous êtes prêts.
2000 balles. Voilà. Non, 2000, calme-toi. Un don de 2000. Tout de même. Va falloir que je commence. Voilà. Parce que personne ne gueulait les dons, donc va falloir gueuler, quoi. Déjà, ça, c'est incroyable. Ah, mais c'est Mario dans le film. Non, mais comment c'est James Bond. Ah, non. Quoi? La marée chaussée. Oh, la marée chaussée. Ah, oh, ben, je sais pas si. C'est quoi? C'est vrai. Oh non, c'est vrai. Non, 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 ok, je l'ai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. C'est quoi? En fait, il l'avait dit. Merci, t'as dit. Non. Non. Attendez, attendez, à l'aide. Il l'a faux, oui, 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 il l'a faux. Non. 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 Je ne peux pas. Non. 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 Je ne peux pas. Non. Non. Je ne répondrai pas. Non. 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 Xavier pour les scandales. Non, c'est pas ce que vous croyez. Ah non, il... c'est dégueulasse. En fait, c'est dégueulasse. Non, mais... on dirait plus un cheminot. En fait, on a joué il y a un an avec Antoine et on a tapé une crise de rire quand il a fait cet inspecteur de police et j'en suis souvenu. Le cas... 200 000 euros. 200 000 euros les deux dans le fion. Bon. Allô. Allô. On est en live ou pas? Vous m'entendez? Pourquoi il n'y a plus aucune caméra? Oh. Oh. Et pourquoi toutes les caméras, oui, elles sont freeze? Oh là là. Oh, merci Elgato. Merci. On est censé les entendre. Donc je vais devoir les doubler, c'est ça encore. Aïeul. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à nous avoir réclamé notre retour. Eh bien, nous sommes là. C'est parti cette année pour réunir encore plus d'argent. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez que l'ambiance est électrique ici. On va jouer ensemble à plein de jeux, plein de gaming. Ça va être extraordinaire. Vous êtes déjà si nombreux à avoir fait des dons. C'est vraiment... On vit un moment incroyable. La salle est en effervescence. Déjà plusieurs dons à 4 chiffres. 4 chiffres, vous vous rendez compte ? Cadre extraordinaire. Donc voilà, on va vraiment vivre un moment incroyable. Et ça évidemment, ce sera après notre petite partie de Mario Maker que vous attendez tous. Que vous attendez nous tous, m'a-t-on indiqué Mario Maker. Bien sûr Mario Maker sur Switch. Quelques problèmes techniques pour faire démarrer la Switch, mais tout est résolu. Tout est résolu, la Switch fonctionne. On va passer un moment extraordinaire. Extraordinaire. Ah, oh, c'est épuisant. Moi, c'est beau. Ah, mais non, mais je suis con. Et bonsoir, bienvenue en direct du The Event. Vous voyez, je suis devant Adrien Zerator Nougaret, organisateur de l'événement. C'est incroyable. Vous voulez en savoir plus sur cet homme, ce jeune entrepreneur montpelliérain que la foule s'arrache? Eh bien, nous allons en parler ici en direct de Montpellier. Nous sommes sur place. Incroyable, mais vrai. 400 personnes, hein, 400 personnes évidemment réunies ici au stade Omnisport de Lyon. Bien entendu, où beaucoup d'entrepreneurs également de la région se sont réunis afin de signer moult chèques pour cet effort, hein, cet effort de jeunes gamers, bien entendu. Si vous regardez, vous pouvez l'entendre évidemment avec notre spy micro.
Le Figaro Live est sur Twitch, sur la page Facebook et sur la page principale de Figaro.fr. Voilà, nous sommes sur le Figaro Live car moi aussi j'aime parler à mon électorat de droite. Voilà, bienvenue évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que traditionnellement ici on est de gauche, mais depuis que je gagne énormément d'argent grâce à la plateforme de Twitch, je me suis abonné au Figaro, chez moi et chez mon cousin d'ailleurs. Alors, ce que toi on t'appelle le streamer qui bronze, parce que pourquoi cette lumière finalement? Alors cette lumière, ça marche très mal, c'est Elgato, c'est la marque Elgato, donc voilà, si vous voulez du matériel qui... Parce que oui, il y a beaucoup de gens là qui vont me dire « Ah, il se passe rien sur ton live là, c'est quand que tu vas te bouger la nouille et jouer à Isaac et chanter « J'adore le Zboob 2 » Oui, c'est vrai que pour l'instant, ce live c'est de la merde, mais je vous le rappelle, c'est indiqué là, tellement magique qu'il y a en ce moment 48 streams de connectés sur 48. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous allez sur TheEvent.fr et vous pouvez vous faire un petit zapping des autres streamers et streameuses connectés et aller chez elles ou eux pour en plus, ça se trouve, découvrir quelqu'un et vous pourrez leur dire, évidemment, ça se trouve dans 5 minutes, « Ah putain, mais c'est vraiment trop sympa, ton stream est vraiment trop cool, ça change de Mister MV, je le suis depuis 4 ans, mais c'est vraiment un connard, mais je me sentais piégé chez lui, alors je restais tout le temps et j'allumais mon ordinateur et j'y retournais alors que je trouvais que c'était de la merde !» C'est sûr. Eh mais attendez, il est fissuré mon écran ? Ah non, c'est un poil de cul. Que pense ta famille ou tes parents? Est-ce que tu leur as parlé de ce que tu sais aux Z-Event? Et que pense ta famille et tes parents à propos du Z-Event et de tout ce qu'il fait? Alors, ma famille est morte. Oui, désolé. Non, mais... non, moi, le moment terrible où l'interview part en... Pour toi, est-ce qu'il faut plus d'efforts? Est-ce que pour changer cette image du gamer et continuer sur l'élan positif, est-ce que, selon toi, il faut plutôt des efforts individuels ou continuer de gros efforts collectifs pour montrer que le jeu vidéo rassemble et touche tout le monde? Ah! Ah, la question! Ah là là, changer les gamers, non, bah, c'est compliqué, hein, mais c'est comme changer la société. Enfin, je veux dire, vous savez, je suis quelqu'un d'assez misanthrope, donc j'ai l'ultime conviction que les gens sont des sacs à merde, mais... Moi, c'est beau, bien. Ma gueule ? Quoi ? C'est les Knacki Erta ? Je m'en ai rien à foutre ! J'ai reconnu évidemment ! Mais il y a la réverb ! C'est parce que t'as pas la réverb que t'apprécies pas ! Au secours ! C'est parce qu'il a pas la réverb ! Mais pourquoi tu nous emmerdes avec la flûte à cette heure-ci ? Mais comment ça ? C'est harmonieux, c'est doux, c'est des saucisses ! Toi t'aimes bien les saucisses en plus ! Tout à fait, mais c'est pas la question ! C'est doucereux, c'est pas... Moi c'est beau toi ! Bon, je vais essayer de trouver, peut-être que si je te trouve Nescafé ou Jacques Vabre, ça va te détendre. Alors. Bonjour, comment ça va? Et après j'ai dit, non mais tiens, je me rappelle, tu sors avec Sakor. Et j'ai dit, bah alors les... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est quoi? Non, j'ai pas dit petite bite. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on dit sur les Chinois? Putain, mais c'est... Les Chinois du Cambodge, mais c'est pas possible. Et le mec il s'étonne après que... On le prenne pour un beau raciste. Eh, ton mec là, le chinois du Cambodge, il a pas une petite bite de japonais? Putain, mais quelle raclure quoi! J'adore les saucisses. Attends, mais répète là. Attends, mais ça coupe. Ah, j'avais oublié que c'était ça. Incroyable. Vous vous souvenez de ce... C'était marrant, hein, mine de rien, le Master Kill qu'on a fait. Moi, c'est beau, toi. Avec Zerash et Gotager. En mode les maps créatives. Moi, c'est beau, toi. Bon, c'était pour rendre service, hein, je vous avoue. Gotager, il est en galère. Enfin, faut pas le dire, mais il y avait McFly et Carito qui devaient venir, et puis il y avait Webedia qui commençait à tortiller du fion, et ben... Ah bah ouais, bah si tu veux pas vendre ton cul et faire 8 OP ce mois-ci, et ben nous on te lâche pas McFly et Carito, hein. Non, ça c'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. Moi je veux pas foutre la merde. La vie,
C'est ta gueule. Salut plusieurs. J'ai la lame de l'univers. Le pays que l'air est tellement fragile. Il a le colosse au pied d'argile. Les dieux, les religions. Hey. Oh, mon building, tout le verre acier. Je prends mon job à le coca café. Petite fille afghane. De l'autre côté de la terre. Jamais. Parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. De ces projets au bout du monde. Du coup, faut que je refasse l'émission de Speedrun aussi. En fait, 2021, ça va être l'année à l'année, quoi. L'année de Dark Souls, l'année de Toll 2, l'année de Spin Nimp, l'année du permis. 2020, oui, pardon. Pardon, excusez-moi, j'anticipais mon discours de sortie du The Event de l'année prochaine. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, comme le top donateur était à 25 000 euros de Webedia, Ninja vient de nommer 26 000 euros. Commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Wow. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Très bien. Oui, désolé, j'ai pris un peu de temps parce que après le DDR chez Alpha, non, après le Beat Saber chez Alpha, j'ai fait du DDR chez Mizu. Tellement magique. Non, évidemment, non mais bien sûr. Mais, non mais j'ai rien contre la Bretagne, j'ai rien contre la Bretagne. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai fait des soirées où on était complètement bourrés, on allait vomir et puis ensuite on buvait. Quoi. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est bien parce qu'il y a quand même des enfants. Donc... Ah oui. Pas ouf. Ouais, non mais oui, ils ont rien à voir les enfants. Oh, tu fais Sachin. Ah Sachin. Oh non, il y a Sachin. I'm so fucking... I swear to God. Il a cru que j'étais sa mère. Very awkward story. My friend said he has poofy blonde hair, and I first person I saw that I can recognize off his voice. Man, I'm so sorry, no, man. That's all right, sorry. What's going on here? This is the VR chat meetup. VR chat meetup? Oh, yeah. Okay, that's funny. I'm so, so sorry about that. That's all right, sorry. That was funny. Don't worry. I'm so glad I didn't tackle you. It's okay. You're not the first person to attack me. It's all right. De toute façon, moi, vous savez, hein, moi, si je m'inscris au FFS, c'est avant tout pour rendre service à Adrien. C'est important pour lui qu'il y ait un ami, un camarade qui lui dise « Oui, oui, c'est bien tes events, j'arrive. » Voilà, c'était le let's play de Death Stranding sur cette chaîne. Ça vaut son 19 sur 20, pour être très honnête. Bon jeu à tous. Oh non, j'en ai plein le cul, hein. J'ai pas que ça à foutre. Hein. Franchement, je vous le fais gagner sur Twitter, hein, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui a envie de jouer à ça qui dit joue. Hein. Oh non, j'en ai plein le cul là. Ok, alors... Donc c'était histoire de le faire. Mais tu dis rien, ouais, alors que là, non, depuis tout à l'heure je parle, mais depuis tout à l'heure je parle. Oh.
Oui, ça faisait plusieurs fois que je vais ski, donc je m'étais dit qu'il fallait le faire quand même pour voir. C'est vrai que c'est rigolo, mais c'est le zoo. Yes, yes, je te connais pas. Yes. Tu veux dire aux gens ce que t'as appris à la crèche. Mais arrête de hurler. 1, 2, 3. La jolie. Viva l'Algérie. Non mais oh là là, payer une crèche privée pour ça. Heureusement qu'on est de gauche. Heureusement qu'on est de gauche, hein. Hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est un crabe? Ah, il fait quoi le crabe? Il fait clac-clac avec ses pinces. Il est bizarre ce crabe. Bon, si elle a peur, j'enlève, mais pour l'instant c'est un crabe. Et il danse la moulaga. Ah voilà, maman elle dit non, là c'est plus un crabe. Mezzo carattere. Oui. Comment ça tu manges du chocolat? C'est papa qui mange le chocolat. Comment ça? C'est à papa le chocolat. Elle est trop vénère. Zut, attendez. Ok, hop. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Donnez-moi là. On est où là? Je suis en prison. Spike posé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, direct. La musique est adaptée, en plus la musique nous transcende. Regardez. Et voilà, je vous l'avais dit. Un jeu pour Zerator. Musique de forain. Ah mais t'as pas vu le corps? What? T'es reparti en arrière, t'as pas vu le corps? T'es vraiment aveugle hein, je crois. Putain, ah oui pour le coup. C'est terrible. Okay. En plus on a été ensemble longtemps mais ouais. Oui, j'étais avec DLG. 5 chansons en français, c'est-à-dire 5 chansons anglaises mais traduites en temps réel. Bon hélas je suis pas vraiment sur place parce que imaginez Adrien serait là et moi. Au bout d'une heure de stream, je commence déjà à chanter Mon sexe est en feu. Oh, il m'a fait un bisou. Je commence déjà à chanter Mon sexe est en feu en hurlant à côté de lui. Voilà, c'est le jeu quand perdre ma voix. On va voir sur le Twitchings. Mais sur le Twitchings, il y a bébé qui risque d'arriver. Donc c'est bon, hein. À n'importe quel moment, c'est prêt à partir. Mais voilà. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, bébé fait de la peinture avec maman. Ok. Aïe, attendez. 1500 balles! Je suis sur place, oui, bien sûr. L'ambiance est folle. J'ai bravé. Voilà, j'ai fait un traitement expérimental, le même que Donald Trump. J'ai avalé du desktop. J'ai avalé. 2 litres de desktop et le Covid a disparu. C'est vrai que c'est presque une valeur ajoutée. Oh putain, le perchiste là! Non mais c'est bon, y a pas que le stream de Zerator! Mais fini ces conneries! Non mais qu'est-ce que c'est que ça la perche dans le champ là? Bon. Ok, c'est pas grave. C'est quoi? C'est le lancement du photographe pour expérience. Putain, faut que je renomme mes trucs, je sais même plus à quoi correspond quoi. Okay. Prochain palier. Ce monde, viens avec moi sur la planète. Ouais, est-ce que tu penses que tu peux gérer mon petit cul? Ouais, c'est génial. Chut.
suis une grosse fille, hein, je peux m'occuper de moi-même, mais des fois je me sens un peu seul, j'ai besoin de ton aide, alors fais attention. Je veux pas. Quoi? Je te veux sur mon équipe, ouais, super. Ouais, bébé, on peut garder ça discretos, connerie de merde, si tu es avec ma fille, je connais un petit endroit où on peut aller, mais tu me prends pour une connasse? Yo, merde, cher, peu importe où t'es, je suis tout seul esprit, le moi aussi. Bébé, casse-moi le cul. Oh bébé, bébé, la raison pour laquelle je souffre, c'est toi. Non, je respire, connard. Oui, tu m'as... Ah mais zut, j'ai reçu un DM de ma femme. Arrête ça tout de suite, elle est en train de répéter « Mon sexe est en feu ». Ok. Alors, Zerator. Ok, non, c'est pas grave. Ça va encore faire un truc qu'elle devra pas dire à l'école, à débunker. C'est peut-être le moment de faire un bisou à mon bébé. Sinon, il va y avoir... Ok. Il faut essuyer les fesses avant de remettre le pyjama. Sinon, c'est... La trace de pneu, tout à fait, mon amour. Allez, ça, non mais ça suffit. Ah, ça suffit ce bruit, ça suffit. Ok, ok. Allez, allez, c'est bon, on a bien rigolé. Maintenant, c'est le bas. Et bisous. On peut dire les détails de l'histoire ? Quasiment, ouais, je pense. Quasiment. On peut dire que c'est un breuvage tiède qui nous a poussé à faire ça, voilà. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être que le son est voilà, directement créé par des substances liquides, liquoreuses, alcoolisées, voilà. Il y a eu un méchage. Quelques-unes. Et oui, on a fait nuit blanche au studio pour faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Alors MV, j'aimerais que tu nous parles de cette première nuit blanche au studio. Oui. Mais pourquoi une tête carrée, ça, est-ce que ça a un rapport? Oui, un N. Oui, un N. Scénario. Je peux pas m'énerver. Ah mais non. Mais j'ai. Mais un. Ah, c'est un poulain. Moulagoff. Poulain. C'est un poulain. C'est un poulain. Putain, j'avais complètement oublié ce mot. Qu'est-ce que c'est? C'est un carré qui saigne. C'est un carré qui saigne. Saignement de cube. Saignement de cube. Il y a Pierre Sang qui donne 10 balles. Pierre Sang et Pierre Bab sont un peu. Ils sont ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qui décide ça? Attends, mais ça va Antoine ou pas juste? Ouais, vraiment, ça va? Tu joues toujours. Salut à tous! Putain, je suis con! Mais pourquoi il saigne? Mais non, c'est Bob Lennon avec son manteau! C'est Bob Lennon! Mais trop nul! Putain, mais quel enfer! C'était littéralement introuvable. Ah! Cher monsieur Antoine L, c'est très réussi, bluffant de réalisme. Juste, je suis à gauche ou à droite? À gauche, c'est ça. La réponse pour le premier degré. Avis positif uniquement, ça me fait gueuler de rire. J'ai la photo là. Christopher. Ah non, faut que je dis pardon. Y'a pas dévié ici là. Ah okay. J'ai ça, j'ai ça, cassez-vous, cassez-vous. C'est quoi ça? Cassez-vous, cassez-vous. Je l'ai. Cassez-vous. Je l'ai vu. Christopher Brown, au secours. Au revoir. Christopher Brown, je vous ai photographié. Ouvrez la porte pour aller fermer. Ouvrez la porte, c'est permis, s'il vous plaît. Ouvrez la putain de porte, la putain de porte. La putain de porte de vous. Laissez-moi. Dans les films d'horreur, on s'est putain de porte. Sandra Smith. Sandra Smith. Y'a rien du tout les amis. Sandra Smith. Oui, mais c'est arrivé. Il est mort de rire à côté de moi. Ah, il est là, il est là.
Mais non, parce que je vois un corps recroquevillé, en fait, c'est juste... Oh, attendez. Quel âge avez-vous? Sandra Smith. Vous aimez les saucisses? Sandra Smith, Sandra Smith, Sandra Smith, Sandra Smith. Sandra Smith. You like that? Sandra... Oh, Sandra Smith. Ouais, j'ai pas peur, ouais, Sandra Smith. Ah, au secours, au secours, au secours. Sandra Smith, vous aimez les chiens? Sandra Smith, quel âge avez-vous? T'es arrêté de fermer la porte d'entrée comme ça, toi? Oula, oula! Non, c'est fermé à clé! J'ai la lumière qui... Y'a un truc, y'a un truc, y'a un truc! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il se passe des trucs de fou! Elle a mal! Ah, elle vit un truc paranormal! Ah non, mais elle vient de mourir! Oh, elle vient de mourir de... Ah, c'est toi! Attends, mais viens! Ouvre-nous! Quel enfer! A l'aide, allez, on y va. Ok. Très bien. Yes. Bon. Ah, vous avez pris quoi là? Attendez, mais vous avez rien pris. Vous partez, il est et le MF il est où? Il part sans la clé. C'est le bruit pour la clé, la lampe et l'appareil. Et la clé alors? Je suis en OTP. Ah, c'est pour les clés, c'est pour les clés. Mais oui, ils sont... Attends, tiens, elles sont sur la table. C'est bon, j'ai pris, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez... Adrien, je vais me chercher un café, t'en veux un? Borboro, regardez cette vue! Incroyable! Incroyable, je attendez! Je suis sûr de vouloir m'approcher de cette vue avec vous à côté, mon cher! Oh, c'est magnifique! Oh. Oh là là, je m'en vais! Moi, je reste pas dans ce coin-là! Je vais la secourir! Je vais la faire courir! La femme lézard est tombée, elle a décidé de mettre fin à ses jeux! Mais jette son mur, c'est une action vent libre? Bonus? Mais j'ai une idée, je teste un truc! Vas-y. Ah. Ok, j'ai un mou. T'es prêt? Ok. Ouais, vas-y, vas-y. Any eight. Oh, oui. Oh non, le nain, le nain. Ah, le nain. Ah. Oh, une arme. L'araignée, elle est tombée. J'ai vu l'hippogriffe. Abouler les 100 balles. Abouler les 100 balles. Abouler les 100 balles, voilà. T'as vu ça, c'est Antoine. Tu le reconnais? Avec Oliver. Avec Oliver, c'est ça, tout à fait. Antoine. Et oui, c'est Antoine. Antoine. Voilà, ouais, mais là, il t'entend pas. Là, il parle, il dessine. Il dessine. Ok. Bon. C'est la poule de c'est horrible. Blanche, la poule du dimanche, qui croit qu'elle est la plus belle. Mais non. Non. Poule blanche, la poule du dimanche. On a... Elle vient avec le poulet. Avec ses dentelles. Poule mes poules, poule mes poules. Oui, mon amour. Poule mes poules, poule mes oui. Poules. Ah. Ah. Oui. Oui, tu me fais peur. T'as pas de travail, voyons. Ça se voit, non? Tu vois que papa travaille quand même. Le noir, la poule du soir. Ah ouais. Eh, deux secondes. Poule mes poules, poule mes poules. Ah, mais c'est impossible d'avoir une chroma qui prend. Là, j'ai rien. Du même joueur. Antoine. Je sais. C'est moi. Je ne sais. Je ne sais pas. Et Laura like the tweet. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est Dash m'a rebasé. Ah oui, mais Dash, je le suis plus. Merci, Elora. Et Laura qui fait du superbe travail sur voilà, Environment Artist, qui crée voilà, des photos, des designs très pastels, très inspirés du Japon. Merci de liker le tweet, parce que sinon, j'aurais pas vu Dash qui m'a rebase, vu que je le suis pas. Merci à Laura. C'est un album, Chronomusique. Ah, il faut que je réponde d'ailleurs. Ah, ouais.
Faut que j'apprenne des trucs. Petite interlude musicale. M83, il me parle en énigme, il me trigger. Je lui ai dit, voilà, non mais oui, pour une track, pas de pression de temps, on fait comme on peut, niveau logistique, mais les gens seraient hype, c'est sûr. Il me répond. Seulement si tu chantes en coréen. Challenge accepted. D'accord. J'explique juste à Dame Dame, mais en gros, vous avez votre kill dispo en même temps. Donc si vous êtes deux et deux innocents dans une salle, oui, vous pouvez entre guillemets tuer en même temps, c'est plutôt cool. Allez, bonne chance. Quel bâtard. Ah, c'est énorme. Vous avez votre kill dispo en même temps. Donc si vous êtes deux et deux innocents dans une salle, oui, vous pouvez entre guillemets tuer en même temps, c'est plutôt cool. Allez, bonne chance. Quel bâtard. Ah, c'est énorme. Ah, c'est ça, c'est un clip Twitch pour Mintos encore. Ça, c'est un clip Twitch pour Mintos. Avant peut-être que quelque... enfin, j'ai vu que Domingo là il y a quelques secondes, mais salut beau gosse. J'ai une stratégie, c'est que MV à la fin, là le round d'avant, MV, il y a eu deux votes sur lui. Ouais. Et je me dis que oula. Allô. C'est quand il dit trop de merde hein, lui. Je sais pas ce que c'est mais ça a l'air grave. Mais quoi? C'est sa nouvelle strat les gars, c'est sa nouvelle strat, il gagne 120 secondes avec ça normalement. Ferme-la Xav. Putain mais au secours. C'est quoi ça? Je pensais il est fort hein, pour la dernière. Devriez... Non mais vous devriez être au courant. Juste, je bien, sûr. Ça. Bien sûr. Oh là là. C'est tout ce que je dis. Oh, la mise en scène incroyable. Ah, non, mais... ah il nous fait voyager. C'est vraiment un joueur méta. Hein. C'est vraiment un joueur méta. Je dois vous mettre au courant. Je dois vous mettre au courant de ce qui s'est passé. Très bien. Quel boss. Et donc. Et par contre j'ai aucune. Non il a retenu cette passe de merde. Mais c'est parce qu'il s'est pas dribblé. Prends-la. Tiens. Mais comment tu l'observes? Ma passe ici. Now here's Fultz. Defense is right there. J'avais rattrapé ma bourde avec une passe décisive. Mais putain, c'est pas possible. Mais quelle quiche quoi. Donne-la moi. Quelle frustration. S'il te plaît la lune. Non mais y a pas la lune. La lune c'est le fond d'écran. Mais là papa il est sur console. Ils sont là les lunes. Ah les lunes elles sont là. Ah tu... Ouais mais attends. Attends. Bon bah je lui ai fait tous les écrans. Avant. Oui. Bien. D'accord. S'il vous plaît la lune caca boudin. Ah non dis pas caca boudin hein, non. Ah je croyais que j'en avais 192. Nous avons visiblement 256 gigas de RAM. Comme je vous l'ai déjà dit, le let's play de Monkey Island 2 devrait pouvoir fonctionner. Ah, c'est pour la musique et la vidéo, mais le problème c'est qu'ils avaient plus de... En fait, c'est selon leur stock, et ils avaient plus de petites barrettes, visiblement. Enfin, il n'y avait pas d'entre-deux, parce que j'avais besoin de plus de 32 gigas de RAM, parce qu'avec la musique, on atteignait plus. Donc moi, je voulais 64, mais visiblement, c'était ou bien 48, ou bien 256 gigas de RAM. Alors, ils ont dit banco. Donc voilà. En sachant que la musique, ça m'arrive très très souvent de dépasser les 30 gigas de RAM sur chaque projet. Ça servira pour les vidéos et autre chose, c'est pas grave. Bref, quoi qu'il en soit. Nous y sommes. Vers la droite. Là. Côté gauche. Non, je parle pas beaucoup. Tu te sens coupable maintenant. Non. Tu chies dans ton spot, gamin. Non. Par contre, en vrai de vrai, je comprends pas pourquoi vous vous dites que c'est moi alors que... Parce qu'il y a 4 chances. À Pau, on était... Allez, peut-être qu'on se trompe. Mais à un moment, on était avec les Ouais, non, mais... Sauf que après, d'un côté, il y a 3 fois où elle est dans des bourbiers. Donc, non. Moi, j'ai impossible. Jamais été dans un bourbier. Hein. Ah, c'est bon, c'est forcément une que c'était impossible. Non. Bagheera. Bagheera ne dit rien. Ça s'arrête. Ne dis rien, ma petite piotte. Ne dis rien, ma petite chérie. Ne dis rien. Enfin, je t'ai entendu juste au début, mais je t'ai répondu. Tu m'as pas entendu. Laisse mamie expliquer. Ouais, okay.
tu laisses bien Mamie expliquer. Alors, on était avec la petite Béguera, le petit vulgaire avec la chemise hawaïenne, et le Premier ministre. Et on traînait ensemble, il y a eu les lumières, et nous on commence à partir, et il y a le petit à la chemise hawaïenne qui revient à navigation, là où il y avait le Premier ministre. Et ouais. Là, je vois qu'il le tue. Et Mamie, elle aime pas quand ça se passe comme ça. Parce que moi, j'ai déjà porté plainte quand on avait volé mon sac dans le métro et ils avaient rien fait. Alors Mamie, elle lui a mis un gros coup de canne dans les roues bignoles. D'accord, Mamie. J'ai voilà. Parlé, du coup, Mamie, c'est...